Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres avec S. Bonne heureuse année à tous. Bon appétit si vous êtes à table. Et si vous n'avez pas mangé depuis le matin, ce n'est pas grave. Voilà, santé, prospérité à vous pour cette nouvelle année. Au prochain retard, toutes vos go et vos tisas auront les triplés. Voilà, nouvelle année, nouveau plateau. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Voilà, on dit encore au Koulougeri manager à grand. Il n'y a pas des poids à témoigner qui traînent là. On est en direct, hein, vos choses des mendiants là, c'est pas ici. On est en direct, tu parles pourquoi? Oh. Bref, excusez-nous pour ce petit incident. Nous commençons cette édition d'information fort fort avec une dame qui a envoyé sa fille unique acheter le pain depuis le 25 décembre 2022 et jusqu'à présent nous sommes le 8 janvier 2023. La fille n'est pas encore arrivée. Nous sommes allés sur place et voilà un peu ce qui s'est passé. L'année 2023 vient de commencer. Une bonne année pour certains comme Andy Marvin qui a coupé ses cheveux sûrement pour anticiper sur une calvitie notoire. Et pour d'autres, une mauvaise année comme ce jeune homme à la poitrine croustillante, dorée et surtout ferroviaire. Nous sommes le 25 décembre 2022 dans le quartier Bizango, précisément du côté gauche. Madame Nat va envoyer sa grande fille pour acheter du pain. Mais où est la petite Jess? L'inquiétude inquiétante qui inquiète a commencé à effrayer les habitants du quartier, se demandant où la splendide et délicieuse Jess peut se trouver. Mais vous savez, c'est pas parce qu'elle a pu devenir chez moi qu'elle est maintenant chez moi aujourd'hui, hein? Je vais lui demander à ses oncles qui sont là heureux. Vous savez, en ce moment, si vous voyez du guissier heureux, deux oncles guissier heureux, c'est qui viennent à peine de mettre leur fille en mariage. Donc, allez leur demander, c'est pas moi. J'ai envoyé ma fille hein, depuis le 25 décembre 2022 m'acheter le pain chez le boutiquier parce que je voulais boire mon thé minceur bio. Mais nous sommes déjà au 8 janvier 2023. Elle n'est toujours pas arrivée. Je ne sais pas pourquoi. Mon fils, viens voir. Viens voir. Hein? Viens voir. Regarde. Tu vois, non? C'est la tasse que j'avais montée, mes soeurs bio là, pour boire avec le pain. Mais c'est resté juste quand ça a séché, les plantes ont même poussé. Hein? Même l'eau disparaît dans le quartier là. Oh non, ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire concernant cette fille là que vous ne savez pas déjà? Elle n'est pas sérieuse. Sur son front, sur son gros front là, c'est écrit comme ça en grand caractère. Fille pas sérieuse, s'abstenir de l'approcher. Ma fille, oh! Oui, maman! C'est comment ça? L'eau là court comme ça là? Il n'y a pas la pression, maman. Là, ça va même se remplir que demain. Ma fille! Pardon, reviens, je suis seule, maman. Reviens, pardon. Bonjour, maman. Toi, tu sors d'où? Maman, j'étais à la boulangerie. Maman, il y avait la queue à la boulangerie. Mais voilà, ça mon sucre. Mon sucre, où c'est? Hein? Attends, ah, c'est maman. Ah, c'est au sud de 200. Il y avait la pluie. Quand tu m'as envoyé le 25, 26, 27, 28, là, il y avait beaucoup la pluie. À chaque fois qu'il y avait la pluie, un sucre fondait, sucre fondait, sucre fondait, maman. Oui. Donc, depuis le 25 décembre 2022, je t'ai envoyé là. C'est ça. Et puis. C'est quoi que je suis sorti de quoi là? Maman, mais tu as quitté la messe, non? Ils ont fait la fête là-bas, on a même mangé le mouton, on a mangé, mangé. Nous sommes encore allés dans les rues de la capitale politique qui est Libreville, si vous ne connaissez pas. Voilà, si vous l'avez oublié. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Un jeune homme qui a décidé de sortir avec la beau d'un grand de son quartier. Le grand n'a pas apprécié ça. Et voilà un peu ce qu'ils nous ont révélé comme information. En effet. Exactement, et cependant, le Sango que vous apercevez a invité la femme d'un grand du quartier qui, selon lui, comme avait dit un célèbre philosophe, si tu veux damer ça, tu vas damer ça. Calme-toi d'abord, calme-toi d'abord. Caméraman, caméraman, s'il te plaît, floute mon visage, je ne veux pas que mes parents puissent me reconnaître. Ok, ok. S'il te plaît, s'il te plaît. Regarde, moi, je vais t'expliquer. Aujourd'hui là. Je vais te montrer. C'est une erreur. Qui a fait tomber la pluie? C'est une erreur. Je vais te faire, s'il te plaît. Je te demande pardon. Ah, voilà. Voilà comment j'ai même cassé ma montre que j'ai payé avec le nouveau billet. En tout cas, on va régler ça après. Donc, il paraît que il y a un philosophe qui a eu à dire que si j'affiche ma go, si tu veux damer ça, tu vas damer ça. Il n'y a pas de souci. Le gars, dans tout Libreville, la go que lui l'a trouvé, c'est ma go. Hé! Hey! Jésus! Vous-même, regardez la situation. S'il a damé, il n'y a pas de souci. Mais, elle, lui, elle est rigolo. Vu que moi, je suis dentiste, je serai obligé de vous refaire le portrait. Quand on sait qu'en moyenne, 22 Gabonais sur 3 se masturbent, ça devient de plus en plus inquiétant. Bref, c'est la nouvelle année. Cette année, on fera du très très sale. Comme l'a dit le petit gros que vous connaissez déjà, c'est la fin, mais c'est pas fini. Je ne sais pas qui est ce philosophe pour avoir de telles pensées, c'est juste désolant. Bref, mesdames, messieurs et les autres, merci d'avoir regardé votre chaîne Bombast TV. Je sais que c'est votre chaîne préférée, mais je ne veux pas vous laisser comme ça. Vous connaissez la tradition, tout de suite, la station de la semaine.
reste, voilà. Même s'il fait froid, ne suis pas la faucheur, mais la capote. Même s'il fait froid, ne suis pas la faucheur, mais la capote. À méditer tout au long de cette semaine. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao et à bientôt et que Dieu vous garde. Frangin, il parle que c'est toi qui a donné l'ancienne citation. Couple, couple, couple. Il parle que c'est toi qui a donné l'ancienne citation.